Un député est un élu qui, à l'Assemblée nationale, participe au travail législatif et au travail de contrôle du gouvernement. Il fait des propositions de loi et par amendement des modifications au texte à examiner. Il peut interroger le gouvernement, examiner son action au sein d'une commission, voire contrôler l'emploi de l'argent public. Alors, toutes ces actions ont pour principal but veiller à la bonne gouvernance en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est bon à savoir. En Guinée, le Parlement a épuisé son mandat. Les élections tardent à se tenir. Vous avez déjà l'info. On en parle très peu. Vous devrez savoir les raisons. Ce soir, dans le coin des vrais gens, eh bien, nous avons testé les connaissances des citoyens sur nos représentants à l'hémicycle. Je travaille aussi. Hein. Ça, c'est 2-4 nains. Donc, bonjour, ça va? Vous allez bien? Ça va. D'accord. Dites-nous, monsieur, vous vous êtes fait recenser? Non, j'ai recensé à longtemps. Oui. D'accord. Vous venez de quelle ville d'abord? En ville? Comment est-ce? Il faut taper la tête. C'est sûr que ça va. Mais attendez, un peu. Tapez la tête, ça va revenir. Attendez, un peu, hein? Tapez la tête. Faut taper la tête, ça va revenir. Non. Voilà. Tapez encore. Non. C'est pas revenu. Non. C'est pas revenu, tapez. Faut taper la tête, ça va revenir. Voilà. Est-ce que c'est revenu maintenant? Oui. Voilà. Quand assurité, sûreté. Montez là, à car assurité quoi. Oui. Sûreté, c'est une commune ou bien c'est quoi? Comment dire ça? La tête encore, il faut taper, ça va aller. Non. Tapez. Faut bien taper. Oui. Nyengema. Nyengema. Kalfour, Nyengema quoi. Voilà. Montez là, ici. C'est pour l'autre là. Moi, tu es rentré à longtemps quoi. Oui. D'accord, maintenant ce que je veux savoir, il y a bientôt les élections de 2020. Oui. Vous allez. Quel est le bilan du député de Kaloum? Le Kaloum? Moi, ça c'est le président d'Alain. Deuxièmement, premier ministre, ça c'est Sidia. Oui. D'accord, maintenant je veux savoir, qui est le député de Kaloum? Le député de Kaloum, ça c'est en bas, le quartier bas, à Koronti quoi, chef quartier à Koronti. Ah, c'est lui le député de Kaloum? Oui, le député de Kaloum. Il s'appelle comment? Mais Alpha Omar Camara. Alpha Omar Camara est le député de Kaloum. Venez, moi j'ai pas fini. Vous êtes où? Je suis ici. Quelle ville? À Conakry ici. D'accord, mais quelle commune maintenant? C'est que je veux savoir. De Dabompa. Qui est le député de Matoutou? Là, il faut que je mens. J'ai appris que c'est comment là? Bon, je connais pas effectivement son nom, mais j'attends son nom chaque fois. Comment il s'appelle? Kao Kariba. Voilà. Donc, qui vous dites répéter son nom? Le député de Matoutou? C'est Kao Kari. Le député de Matoutou, Kao Kari. Dites-nous, monsieur, est-ce que Kao Kari a bien travaillé pour Matoutou? Là, faut que je mens. Parce que moi... D'accord. Faut que vous mentez ou bien? Faut mentir. Non. Pourquoi? Moi, à partir de 5h du matin, je suis au port. Je viens, je charge. Que ce soit à Tinguilenta ou Bel Air. Venez par là, venez. Vous êtes fait recenser? Non, je ne me suis pas recensé d'abord. Pourquoi? Ah, les conditions de vie ne me permettent pas que je me recense à l'heure actuelle. Ça ne va pas à l'heure actuelle. Quoi. Le non, temps... Vous avez faim, c'est pour cela que vous n'êtes pas fait recenser? Ah, je ne suis pas à l'aise à l'heure actuelle. Mes activités ne vont pas bien. Plus. Les conditions de vie vont mal. Ce n'est pas facile. D'accord. Réellement, qui est le député de Kaloum? Ah, moi, je ne connais même pas le député de Kaloum à l'heure actuelle. Je suis de Kaloum, mais je ne connais pas le député de Kaloum. Cela veut dire qu'il n'a rien fait pour Kaloum, si je comprends bien. Il n'a rien fait. En tout cas, il n'a rien fait, absolument rien. Entre Selou et Sidia, qui est le président de la République? Moi, je veux un bon président qui est pitoyable pour toute la Guinée. Quoi. Un bon président. Ma question elle est très claire. Entre Selou et Sidia, qui est le président de la République? Entre Selou et Sidia. C'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui connaît. On est en 2019 ou en 2020? En 2019. Maintenant, en 2019. En 2020 maintenant. Non, en 2019 là, en 2019. Non. Si c'est pas Sidia, c'est Selou. Donc actuellement, qui est le président de la République? Qui est le président de la République? C'est Sidia. Maintenant, qui est le premier ministre? Le premier ministre, c'est Selou Dalin. Merci, monsieur. Ouais, merci beaucoup. Merci.
Bon, je suis avec mon ami. Comment tu t'appelles d'ailleurs? Moi, je me nomme Mara Fodé. D'accord. Mara Fodé, tu es de quelle commune? Commune de Kaloum. D'accord. Qui est le député de Kaloum? Monsieur, s'il vous plaît. Désolé, s'il vous plaît. J'ai pas votre temps. Vous dites? Je dis, j'ai pas votre temps. Mais moi, j'ai votre temps. On va essayer d'échanger un peu. Si vous avez mon temps, si moi, je dis, j'ai pas votre temps alors. Mais moi, je veux juste qu'on échange un peu seulement, pas plus. Non, désolé. D'accord, moi, vous êtes recensé quand même. Désolé, monsieur, moi, je ne peux pas vous dire ça. Mais je ne voulais pas échanger avec moi. Non, je ne peux pas. Regardez-moi, non, monsieur, réellement, pourquoi vous ne voulez pas échanger avec moi? S'il vous plaît, non. Docteur Faya, et vous, vous en pensez quoi de ces députés et de leur rôle durant leur mandat déjà expiré? Non, c'est du n'importe quoi. J'ai pitié de ce peuple. Il faut qu'on prenne les choses au sérieux. 2020, il faut qu'une rupture soit créée. On a trop perdu du temps. Pendant ce temps, à Dondolurure, dans la préfecture de Dubrika, les populations sont sur le qui-vive. Les attaques armées y sont récurrentes. 6 attaques en une nuit ont été enregistrées courant cette semaine. Témoignage d'un habitant de la localité. Le bandit, ils sont venus ici, je suis dormi avec ma famille, ma femme, avec mon enfant. Donc, j'ai entendu le bruit, ils sont en train de casser la porte. Directement, je me suis réveillé, ma femme aussi est réveillée, et je suis venu taper la porte de ma fille, fils, de mon fils. Et lui, il a sorti, j'ai dit, on a été attaqué, il y a des bandits derrière. En ce moment, je suis venu ici, j'ai demandé c'est qui. Ils ont répondu, chacun a sa langue. Beaucoup, en ce moment, j'ai compris, ils sont nombreux. Donc, je le dis, ah, ici, il n'y a pas l'argent avec moi. Ce que je vous demande, il faut retirer avec l'affaire là. Ils ont dit non. Il faut que j'ouvre eux-mêmes, ils vont contrôler. J'ai dit, je ne peux pas ouvrir. Donc, ils ont dit, si je n'ouvre pas eux-mêmes, ils vont foncer et forcer rentrer. S'ils ont rentré, ce n'est pas bon. J'ai dit, ah, là, je ne peux pas ouvrir. Si vous n'êtes pas accepté de retirer, donc vous allez me trouver, je vous attends à derrière. Donc, je profite dans votre micro ici. Et Dieu vous protège d'abord. Protège l'Amin Gracie. Il est en train de faire ici ce que l'État doit faire. Parce que une seule personne, il est capable de survoler toute la Guinée, d'aller coin à coin. Donc nous, depuis que je suis venu ici en 2017, je suis dans le coin là. Je suis victime d'attaques ici. J'ai attrapé même un voleur ici, j'ai envoyé là-bas. Donc c'est payer l'argent pour que même moi se retire là-bas pour revenir à la maison. Donc je demande l'État, ils n'ont qu'à jouer leur rôle. Une seule personne, il ne peut pas faire. Il fait son mieux avec son équipe. Mais on demande l'État encore de les soutenir. Chaque Guinéen doit être patriote comme Lamine Gracie. L'animal a souffert, c'est leur code. Alors, je vous préviens que ce ne sont pas des braconniers. Moussa Peggy, le mouvement des sapeurs de Guinée, est un groupe de jeunes adeptes de l'élégance. La SAP, ça leur parle, ça les connaît. Ils viennent de remporter le premier prix d'un concours d'élégance en Côte d'Ivoire. Ils sont surtout fiers, je vous le dis bien, fiers de défendre de cette manière-là le pays par ricochet, promouvoir le textile guinéen. C'est avec le leader du mouvement que nous avons rendez-vous ce soir. Il se surnomme Kaba Hero pour l'interview décalée. Alpha Omar Baldé et Yacouba Traoré sont allés à sa rencontre. Mon nom c'est Kaba Mohamed, communément appelé Kaba de l'art Wembalogi, le président fondateur du tout premier mouvement de la SAP en Guinée, dénommé Moussa Peggy. Jugez la famille, je suis sapé ou pas. Il fallait que ce soit un Kaba. La SAP c'est un état d'esprit. Et nous les partisans de ce mouvement en font un outil de communication. Parce que la SAP, quand on est en pharapologie vestimentaire agressive, excessive à distance, on ne passe pas inaperçu. Répète ça. Je dis bien. Si nous sommes en frappologie vestimentaire agressive, excessive à distance, qui casse l'œil d'un non-connaisseur, et automatiquement ils se reconvertissent dans le royaume du bien-être appelé la SAP, parce que la SAP est un état d'esprit. Il faut toujours combiner les couleurs pour casser l'œil d'un non-connaisseur. Si un sapeur s'habille qui n'est pas critiqué, c'est qu'il est mal habillé. On a les détails, regarde, avec mes détails agressifs là. Je ne passerai jamais inaperçu. Pourquoi c'est agressif? Bon, regardez, avec tous ces griffes là. Hein, avec tous ces détails-là, parce que les détails font l'élégance d'un sapeur. Hein, avec tous ces bling-bling-là, avec la montre qui casse l'œil de nos connaisseurs, on ne dit pas le prix. Parce que quand on parle du prix, voilà, nous attaquer à la maison, nous faire du mal. Vous voyez, non? Trop de souffrance dans le corps de ces pauvres animaux. Et regardez. Quel animal? Vous parlez de quel animal? Bon, je fais allusion à la chaussure. Vous savez, c'est important de comprendre
que ce pauvre animal s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment dans une forêt, visé par un être humain en besoin, afin de sortir la beauté Kabananko. Eh, la souffrance. Pourquoi il y a deux couleurs de chaussures? Voilà, c'est important. Ce sont les détails. L'animal souffre. Il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, dans une forêt, visé par un être humain en besoin, afin de sortir la beauté Kabananko, c'est-à-dire le classicisme agressif sur la peau de ce pauvre animal. L'homme se donne la tasse de tuer l'animal. Le ligoté, bâillonné, décapité vif. Crucifié, voir les yeux bandés pour éviter le stress. Même mort, ce pauvre animal reste agressif. Et quand tu vois mes deux animaux là, agressifs là, regardez. Ça, c'est de l'alligator. Et attends. Je brûle ce pauvre animal pour montrer aux yeux de tous ces non-connaisseurs qu'un sapeur qui se respecte ne porte pas le plastique, mais plutôt la peau d'un animal. Je brûle l'animal. Il faut le brûler. Je le brûle. Je le brûle. Je brûle ce pauvre animal. Je le brûle. Regardez, je le brûle. Je brûle ce pauvre animal. Regardez, ça se brûle jamais. Un sapeur qui se respecte ne porte pas le plastique, mais plutôt la peau d'un animal. Mia tu as wanda no bokale masangale warabana tu as ballonné qui font nourrir ton corps car ton apparence coûte très cher. Malgré l'habit ne fait pas le monde, mais reconnaît le monde par ses vêtements. Oh Sapolosi, toi qui es rentré dans mes veines depuis le jour de mon baptême afin de reconvertir les non-connaisseurs dans le royaume du bien-être appelé la Sapo. Société des amis, serait des personnes élégantes. Regardez, on fait non seulement la promotion du textile pour donner une touche particulière à nos pains guinéens. Parce que ça, c'est de la belle frappe. Regardez, désormais, portez ça. Ça frappe. L'animal souffre, comme vous l'avez dit. On sait que du côté du Congo, il y a Christian Lubaki, il y a Ben Mushaka, il y a eu Rafa Bounzeki et Papa Wemba. On voit ces images un peu partout. Voilà. Alors, expliquez-nous un peu l'histoire de la sapologie. Comment est-ce qu'elle est venue en Guinée? Voilà. Ce mouvement du bien-être, d'ailleurs, moi, je suis atteint d'un virus très dangereux, plus que Ebola, qu'on appelle l'Imosap. Quand ce virus rentre dans votre veine, non, c'est fini. Jusqu'à dans la tombe, toi, tu vas te saper. C'est un virus qui est dans mes veines. Comment est-ce qu'il est rentré dans tes veines? Voilà, depuis le jour de mon baptême, c'est une transmission. Okay. Est-ce que vous voyez, de génération en génération, mon grand-père, mon arrière-grand-père était un grand frappologue vestimentaire agressif excessif à distance. À Kankan. Voilà, comme vous pouvez imaginer, ma source d'inspiration, c'est Jules Sungu Wemba Diopene Kikumba, le Kuru Yaka, le vieux Zengue, le vieux Moloka et le maître de l'école, père à son âme, papa Wemba. Nous, nous sommes les Wembalok. Vous voyez, non? On est obligé au quotidien de respecter la mémoire de Jules Sungu Wemba Diopene Kikumba, le Kuru Yaka, le vieux Zengue, le vieux Moloka, le maître de l'école, papa Wemba, père à son âme. Vous voyez, non? Tokos. Parlez-nous de l'histoire de ce trophée. Bon, voilà, c'est ce trophée que vous voyez. Ce trophée que vous voyez. Je l'ai eu en Côte d'Ivoire le 1er décembre 2019. Au cours de l'événement du Festival international de la SAP d'Abidjan Bilamba, le FISAB, qui réunit tous les grands sapeurs d'Afrique subsaharienne et d'ailleurs. J'ai eu le courage d'aller représenter le Rouge Jaune Vert pour la notoriété de ce mouvement dans mon pays et dire merci pour la première fois en Guinée à remporter un trophée de la SAP. Ce prix est très précieux. Ça fait de nous maintenant des icônes de ce mouvement du bien-être dans le monde entier. Et désormais, la Guinée est rentrée dans l'histoire de la sapologie, car le président fondateur de ce mouvement du bien-être dans le pays, Kabadoular Wembalogie, a remporté ce prix. Face aux Congolais. Face aux Congolais, face aux Ivoiriens, face aux grands sapeurs d'Afrique. Ouais. Je suis allé avec mes armes nucléaires, vestimentaires, agressives et excessives à distance. J'ai cassé l'œil de non-connaisseurs de beaucoup de personnes. Et automatiquement, j'ai reconverti tous ces gars non-connaisseurs dans mon royaume même. Et finalement, Mia Chua Wondano Bokale, Alatala Chua Balone. Alatala Chua Balone. Voilà. Là, c'est ce qu'on va faire. Et j'ai beau vouloir essayer de me saper, mais je ne pourrai pas faire la gnatance. Là, je vais m'éclipser. Vous allez faire la gnatance devant la caméra. Le gouverneur il de la frappe. Lui-même en personne, le villageois, c'est civilisé. Ça, c'est des crocodiles. Le seul crocodile vivant en Guinée, il a été dans le fleuve Makona à Kishiné. L'animal souffre. Très bien. Tocos. Équilibre dans l'ensemble. Équilibre. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Nous avons été très heureux de partager ces infos avec vous. Vous connaissez le programme, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres news. Au revoir.